l'avis d'abord de Nteon. C'est un plan Karoff, un bateau que je connais bien puisque je l'ai vendu à ses propriétaires actuels il y a quelques années. Et donc c'est un bateau en acier avec des formes classiques qui prennent très bien la mer et qui a l'avantage d'être très facile à manier à deux. Et avec, ça c'est l'un des intérêts des bateaux acier, un intérieur qui est complètement modulable puisque la coque tient sa propre structure. Et donc à l'intérieur, on a des espaces complètement ouverts avec une super circulation. On peut aller de l'avant à l'arrière du bateau d'un seul tenant. Et donc il se divise en un espace à l'avant qui est carré, qui peut se transformer en couchage. L'espace table à carte d'un côté et cuisine de l'autre, et à l'arrière une cabine double très sympa. Donc sur bâbord arrière, on a la salle de bain avec des toilettes sèches, et puis le panneau électrique et les indicateurs moteurs, et donc le disjoncteur des batteries. Donc à la table à carte, on a tout le panneau 12 volts, donc ordinateur, BLU, VHF, musique, les lumières. On a GPS, radar, VHF. Et on a de l'autre côté donc l'espace cuisine avec un double évier et une cuisinière et four qui sont tout neufs. Et donc hop, donc c'est un moteur Vétus qui a à peine plus de 1000 heures et qui est effectivement en super état. Et on voit que donc même au niveau des silent blocks, par exemple, il n'y a pas de rouille et la coque, les fonds de coque sont complètement secs. Voilà, là je suis dans la cabine arrière double qui a beaucoup d'espace, qui est bien ventilé. On a un hublot ici, on a de la luminosité qui arrive de tous les côtés. Et donc c'est un endroit vraiment agréable en navigation puisque on est complètement à l'arrière et que les plans Karoff sont des bateaux qui sont très stables de route.